vous reprend pour une vidéo retour de course, menu pour 15 jours et certainement une recette. Donc j'ai fait l'inventaire de ce que j'avais dans mon congélateur, dans mes deux congélateurs, dans mon placard et dans mon frigo. Mais dans mon frigo, il n'y avait plus rien. J'ai vraiment attendu de ne plus rien avoir du tout pour aller faire des grosses courses. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un drive, puisque moi j'ai un entrepôt Leclerc, un drive seulement, et juste en face le Lidl. Donc je fais d'une pierre deux coups. Et du coup, ça me permet de prendre ce qui est lourd au drive, donc le lait, l'eau, par exemple les pommes de terre, enfin tout ce qui est lourd, pour éviter de porter dans le magasin tout simplement. Et du coup, je fais ça, et surtout sur le Leclerc, il y a pas mal de promos quand même. Donc, parfois, comme là, je vais vous montrer, j'ai pris les petites choses beauté, etc. Il y a le catalogue promo beauté, des choses à moins 40, un acheté, un offert, deux achetés, un offert, des choses comme ça. Et ensuite, la plupart du temps, je fais mes courses au Lidl, puisque c'est le magasin qui est le plus près de chez moi. Je vous retrouve par la suite pour vous montrer ce que j'ai acheté. Et vous donner les menus que j'ai établis par rapport à ce que j'ai acheté, mais pas que, par rapport surtout à ce qui me restait. Donc maintenant, franchement, je vide tout, parce que bon, genre, on avait fait des réserves pour le confinement, etc. Pendant le ramadan, j'ai accumulé pas mal de choses. D'ailleurs, j'ai un gros tri à faire, un gros ménage à faire au niveau du garde-manger, parce que j'ai accumulé pas mal de choses. Et du coup, maintenant, j'attends vraiment de vider un max, déjà parce que j'ai pas énormément de place pour stocker. Et en plus, parce que c'est inutile de gaspiller son argent, alors que bon, on a quand même pas mal de choses dans les placards. Donc là, par exemple, en faisant mon petit tour, mon inventaire de ce que j'avais dans mes congèles et dans mes placards, enfin, juste dans mes congèles, j'ai réussi à faire toute cette liste-là. Donc, juste dans les congèles. Hein. Donc, bœuf, merguez, saucisse de veau, escalope de poulet, de dinde, des tenders, viande hachée, fruits de mer, en légumes, carottes, julienne, petits pois, haricots verts, épinards à la crème, chou-fleur, brocoli, champignons. Donc, juste dans mon congèle, en fait. Alors que je pensais que j'avais rien parce que mon frigo, il était vide. Donc, en fait, non, c'est pas que le frigo, il est vide qu'on a rien. C'est juste que parfois, on a tellement de choses que on ne voit pas. Donc on enfonce, donc c'est pour ça que là je vais aussi réorganiser mon congélateur. Je vais tout mettre dans des petits sachets, enfin j'ai déjà tout mis dans des petits sachets, mais je veux dire je vais les placer en fonction de, pour que je puisse les voir. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai été faire mes courses, j'ai récupéré mon drive également, j'ai fait des petits achats hors alimentaire pour la cuisine. Donc j'en ai eu pour à peu près au drive une soixantaine d'euros, mais franchement ça compte pas trop parce que c'était des réserves de produits d'hygiène, on va dire, que je vais vous montrer. Et encore, j'ai pas pris grand chose, franchement je me suis raisonnée. Les choses que j'ai pris pour le Lidl, j'en ai pour 150 euros, 160 euros. Et franchement, c'est des courses qui vont me tenir 15 jours. Donc quand on divise, ça va encore. Après, certes, il n'y a pas tout parce que comme je vous ai dit, j'avais pas mal de choses. Mais bon, c'est vraiment raisonnable pour une famille de 5 personnes en tout cas. En sachant que bébé mange comme nous maintenant la plupart du temps. Même si parfois, je prends des petits pots si j'ai pas le temps, si on sort ou voilà. Mais généralement, on mange comme nous. Et ça reste un budget raisonnable. Je vais tout de suite vous montrer ce que j'ai acheté, comme ça la vidéo ne sera pas trop longue. Donc d'abord je vais vous montrer, j'ai trouvé des petits pyjamas, ils sont trop mignons. Donc moi j'ai pris celui-ci.
Il était à 9,99. Je l'ai pris en M. Donc c'est la seule chose de vêtements que j'ai pris, mais j'ai trouvé trop mignon. Vu que j'ai toujours des pyjamas dépareillés, ou au final ils finissent par se tacher, par vieillir, etc. Mais je trouve que Lidl, franchement, ils font des super beaux vêtements et de super bonne qualité, vraiment. J'aime beaucoup. Enfin bref, donc là je vais retourner la caméra pour vous montrer parce que sinon ça va, si je dois vous montrer un par un, ça va être trop trop long. Et je vais essayer de vous montrer par rayon, on va dire, par catégorie, les fruits, les légumes, le fromage, les produits laitiers, etc. Et ensuite on se retrouvera pour le menu. Donc, pas mal de promos, donc hygiène, beauté, etc. Donc là, j'ai pris des petites chips pour faire plaisir aux enfants. C'était deux achetés, un offert. Pareil pour les Lénore. Donc, c'était deux achetés, un offert. Donc, deux pour trois. Ensuite, j'ai pris ce shampoing. Donc, ce n'est pas forcément des marques que j'utilise régulièrement, hein, mais vu que là, ils étaient en promo, pourquoi pas essayer. Donc, celui-ci. À l'abricot et à l'huile d'argan. Celui-ci, coco et acide hyaluronique. Donc ça, c'est un gel douche. Fleur de verveine et aloe vera. Donc généralement, j'essaye de prendre des choses hydratantes vu que j'ai la peau sèche. Donc ici, c'est sans silicone, sans savon. Ceux-ci, j'ai l'habitude de les prendre. Celui-là, j'en ai encore d'ailleurs. Fleur de cerisier. Et celui-là à l'argan. Une petite crème à l'aloe vera, donc hydratante. Ensuite, j'ai pris un petit gel micellaire nettoyant pour peau sensible. Donc, c'est à l'eau de rose, enfin à la rose. Ensuite, j'ai pris des Fa Men pour mon mari, donc le lot de 5. Donc, tout ça, il y avait 40%, moins 40% en fait à chaque fois. Donc, j'ai pris un petit Marseillais, c'était un acheté et le deuxième à moins 75. Donc c'était soit 40%, soit le deuxième à chaque fois à moins 75. Pareil pour celui-ci, c'était un acheté, un à moins 75. 95% d'origine naturelle. Ensuite, j'ai pris ça pour les enfants. Donc celui-ci, c'est le après-shampoing. Miel et figue de Barbarie. Et celui-ci, c'est le shampoing. J'ai pris une eau micellaire pour moi, hydratante, puisque j'en ai plus. Et j'ai pris deux recharges. Donc, c'était pareil, c'était une achetée, une offerte ou une achetée et l'autre à moins 75. En tout cas, il y a les promos en ce moment. Ensuite, là, au drive, ils m'ont mis des petits échantillons. Je ne sais pas ce que c'est. Pure Active, nettoyant. Ça, c'est quoi? Ah oui, un soin pour les cheveux, Elseve, et ça, c'est une crème pour le visage. Ok, et donc j'ai pris les dentifrices, c'est pareil, donc il y a les promos. Donc moi, j'ai pris celui-ci. Pour la petite histoire, à un moment donné, j'avais les dents hyper sensibles et j'avais toujours mal quand je mangeais soit du sucré, soit du froid, soit même du chaud. Et ma dentiste m'a conseillé en fait de prendre Sensodyne rapide en premier. Et ensuite, Sensodyne répare et protège. Et franchement, ça a fait effet, mais directement. À savoir que Sensodyne rapide, il est à 10 euros en pharmacie. Et celui-là, pareil, je l'avais pris peut-être 7 euros. Donc là, ils sont à 5 euros les deux. Donc franchement, ça vaut largement le coup. Et il y a plein d'autres, hein. Il y en a blancheur, etc. Mais en tout cas, c'est une bonne marque. Donc après, vous avez les mailles diamants, etc. Mais bon, moi, j'ai préféré. Voilà. J'ai eu tellement mal aux dents que maintenant, je prends celui-là. Donc voilà pour le Leclerc. Donc après j'ai pris des petites sauces tomates. Donc il n'y avait plus aucune marque de sauce tomate sauf la Eco Plus. Et pareil pour la tomate concentrée. Mais bon, c'est pas grave. J'en ai retrouvé par la suite au Lidl. Et puis c'était tout pour Leclerc. Donc maintenant on va passer à Lidl. En surgelé, tout ce que j'ai pris, c'est des petites glaces pour les enfants. Et celle-ci. J'ai également pris du fromage à Leclerc, j'ai oublié. Donc c'était deux achetés, un offert. Donc j'ai pris celui-ci en tranche. Pour les sandwichs, c'est bien. Ensuite, j'ai pris celui-ci parce que mon fils, c'est son préféré. Il n'aime pas le colonier, il n'aime pas le camembert. Il n'aime que le fromage à pâte dure. Donc, c'était un acheté, un offert ou un acheté, un à moins 75. Un truc comme ça. Et j'ai également pris des kiris parce que moi, j'aime beaucoup faire le matin des tartines de kiri et les enfants aussi. Donc, c'était deux achetés, un offert. Et l'huile d'olive. Donc cette huile d'olive, elle est super bonne. Ça fait la deuxième ou troisième fois que je la prends. Franchement,
J'aime beaucoup. Elle vient de Tunisie et elle a un petit goût fruité, donc on peut la manger. Enfin, on peut la manger. On peut l'utiliser dans les préparations ou même la manger comme ça. J'ai également acheté l'eau, les pommes de terre. La plupart du temps, je le prends en dry. Comme ça m'évite de porter. Donc voilà pour le clair. Ensuite, pour Lidl, donc je vais essayer de faire dans l'ordre. Je vous montre comme ça parce que si je vous sors un par un, honnêtement, ça va durer trop longtemps. Donc, on va passer à tout ce qui est fruits et légumes. J'ai pas forcément acheté beaucoup de légumes parce que, comme je vous ai dit, j'ai fait un petit inventaire avant d'aller en course et j'en ai encore dans le congèle. Ah, j'avais pris un Babybel aussi à Leclerc. Mon fils m'a demandé du Babybel. Enfin, en légumes, j'ai pris des aubergines, des radis, des oignons rouges, des champignons blancs pour la salade. Ensuite, des concombres. J'ai pris de la roquette et un mélange de jeunes pousses. J'ai pris des pommes de terre rouges et j'en ai aussi pris des classiques sur le drive. Et en termes de légumes, c'est tout. Puisque comme je vous ai dit, j'en ai encore au congèle. Ensuite, par contre, les fruits, j'en ai repris beaucoup puisque le frigo était complètement vide. Donc j'ai pris des pêches classiques. J'ai pris des pêches plates, des bananes, des nectarines, des abricots. Donc j'ai pris du citron jaune. J'ai également pris des avocats, des fraises, des raisins sans pépins. Blanc, des cerises, j'ai pris de la pastèque, hop, un ananas, donc j'ai pris des pommes rouges, ensuite j'ai pris des myrtilles, des framboises. Et j'ai pris une petite cagette de melon. En fait, il y a 4 melons dedans qui étaient à 3 euros. Donc voilà en termes de fruits et des légumes. Je vais ranger tout ça et ensuite on va passer aux frais, fromage et yaourt. Donc en termes de charcuterie, j'ai pas pris grand-chose parce que j'ai déjà pratiquement tout et j'ai plus de place au congèle. Donc j'ai pris que des lardons de volaille. Des saucisses, des mini saucisses pour les enfants. Donc des cordons bleus quand j'ai pas le temps. J'ai pris un poulet, des cuisses de poulet et jambon de dinde et de poulet. Voilà. Enfin, j'ai aussi pris un saucisson qu'ils ont déjà ouvert, mes enfants, et un saucisson sec. Donc en termes de charcuterie, c'était tout. En termes de fromage, donc j'ai pris de la vache qui rit. Ça, vous savez, c'est la base. J'en consomme énormément. Ensuite, j'ai pris un Saint-Paulin, un cœur de lion, du comté, fromage à hamburger et croque-monsieur, de la mimolette, du Masdame, voilà, béchamel. Ensuite, j'ai pris plusieurs paquets de gruyère râpée et j'ai également pris du parmesan. Ensuite, j'ai pris beaucoup de desserts yaourt puisque j'en avais plus du tout. Il y en a pour mon bébé et pour les jumeaux. Parce que c'est les principaux desserts qu'ils prennent avec des fruits. Donc, yaourt aux fruits, petit fromage frais aux fruits, des petits Nesquik au chocolat, des riz au lait. Ça aussi, c'est des petits Nesquik, mais chocolat noir, je crois, je ne sais pas. Enfin, bref. J'ai pris des crèmes caramel, ils étaient en promo ceux-ci. Des crèmes aux œufs. Ensuite, des desserts au chocolat et au caramel. Des compotes pour ma fille, donc mangue, fraise et en dessous c'est poire. Ici c'est pomme, donc nature. Ketchup mayo. Je vais également pris, je vais tester des petits pots. Je vais tester si elle aime. Celui-là c'est carottes, patates douces, semoule et lait. Ensuite, il y a tomate, boulgour et saumon. Et celui-ci, c'est fondue de courgettes et macaroni.
je sais pas, je vais tester, on verra bien. Quand j'ai pas le temps, c'est toujours bien. Donc j'ai pris des petits déjeuners pour les enfants, croissants, peach, pain de mie complet de la base comme d'habitude. Mozzarella, donc le parmesan que je vous ai dit. J'ai pris du basilic frais, donc ça c'est les pommes que j'ai rangées, hein, parce que je commence à ranger en même temps. J'ai pris du basilic frais, il y avait également de la ciboulette et de la menthe à 1,49€. Du bicarbonate alimentaire. Ensuite j'ai pris petits céréales comme ça pour les enfants, de la sauce tomate cuisinée, des conserves comme ça, j'en ai pris 4. Ma fille est en train de jouer avec une par terre. Ensuite j'ai pris des petits balistos pour moi que je mettrai dans ma petite cachette secrète pour en manger de temps en temps, même si j'ai prévu de reprendre mon rééquilibrage alimentaire. Ensuite des petites éponges et des petits sacs congèles. Donc ceux-là ils sont très bien parce qu'ils se ferment voilà comme ça avec un zip. Et franchement moi je les réutilise hein. Quand je peux les nettoyer et les réutiliser, je les réutilise, du coup ils durent longtemps et ils sont super pratiques, ils sont pas très grands. Donc voilà, je pense que c'était tout. Après, bon, papier toilette, lingette, papier humide pour les enfants, etc. Des œufs. Donc moi, je prends le plateau de 30 parce que ça part super vite chez nous. C'est à peu près tout. Maintenant, je vais ranger tout ça déjà et je vais vous donner le menu de la semaine et je vous garderai certainement pour la première recette. Donc, j'ai rangé tout ce qui était alimentaire. Donc voilà, ici, les fromages. J'ai essayé de mettre des petites boîtes ici, charcuterie. On a un petit peu de fruits parce que j'avais plus de place en bas, derrière les champignons. Ici, j'ai mis tout ce qui était yaourt. Comme ça, c'est au niveau des enfants, en fait, accessible pour eux. Et ici, pareil, fruits, légumes. Et en bas également. J'ai également en profiter pour vous montrer les achats que j'ai faits. Donc, j'avais déjà la bouilloire depuis un moment. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Et j'ai pris le grille-pain. Donc il était à 22€ il me semble, donc je l'ai pris en blanc et bois. Franchement je suis tombée amoureuse de cette collection. Et j'ai également pris, je vais vous montrer l'effet tout, celui-ci, c'est le 3,5 litres, 24 cm. Je l'ai sorti pour vous montrer, franchement ils sont super beaux, c'est une super bonne qualité, vraiment c'est dommage qu'ils aient pas fait plus d'accessoires en fait. Ils ont fait une casserole, une poêle et deux faitous. Et du coup, j'ai pris le grand et j'ai pris aussi le petit. J'ai pris également le petit. Donc, c'est de la fonte. Franchement, c'est une super bonne qualité. Il ne bouge pas, il ne brûle pas. Faitous en fonte d'aluminium avec revêtement céramique, tout feu, dont induction. Celui-là, c'est le 2 litres. Il est garanti 3 ans. Et ils ont également fait la poêle, mais je n'ai pas pris la poêle parce qu'elle me paraissait petite. Et que je voulais pas abuser, mais peut-être l'année prochaine, puisque c'est des collections qui sortent tous les ans. Donc peut-être l'année prochaine, on verra. Et par contre, je voulais la poêle, donc c'est une 28 cm. Pareil, c'est le même design, c'est la même couleur. Mais elle n'y était plus. Donc sachez que si vous ne trouvez pas un article qui vient de sortir le jour J à Lidl, vous pouvez appeler le service client et le commander. Donc moi, c'est ce que j'ai fait et ça devrait arriver dans pas trop longtemps, une bonne semaine. Vous pouvez faire livrer dans le Lidl de votre choix en plus, donc ça, c'est top. Enfin voilà, donc moi je vais finir mon rangement, mon ménage, hein, parce que j'ai rangé ce qui était alimentaire, mais il reste tout ce que je vous ai montré de Leclerc, produits beauté, etc. Et j'ai sorti ça en fait sur mon plateau tournant qu'il y avait sous mon évier parce que j'ai eu une petite fuite. Enfin bref, et je vous retrouve juste après pour le menu des 15 jours. A few moments later. Donc on se retrouve pour le menu. Donc la première semaine, ah oui, j'ai aussi acheté des moules, mais j'étais déjà en train de les laver en fait, je ne vous les ai pas montrés. C'est des moules que j'ai trouvés en promo et moi j'en mange pas, mon fils n'en mange pas, mais ma fille et mon mari aiment bien. Donc ça sera la première chose sur le menu. Donc j'ai fait mon menu sur une petite feuille, hein. Recto verso, semaine 1, semaine 2, et je vais ensuite le mettre au propre et l'accrocher au frigo comme d'habitude. Moules frites sauce roquefort, donc des frites que je ferai moi-même et la sauce également. Jour 2, quichoton salade verte. Ensuite, j'avais prévu des lasagnes, mais je vous jure, c'est impossible de trouver des lasagnes. Je ne comprends pas. J'ai pas envie de faire 15 magasins pour trouver des lasagnes. Depuis le début du confinement, je n'ai plus jamais trouvé de lasagnes sur mon drive. Et à Lidl, il n'y en a pas. Des pâtes à lasagne.
Donc je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Dans toutes les marques, dans tous les... Ou alors il faut aller carrément au magasin Leclerc, mais bon, il est loin de chez moi. Moi ici, comme je vous ai dit, j'ai que l'entrepôt. Et franchement, j'ai pas envie de faire 36 magasins. Donc j'avais prévu lasagne, je vais voir. Je vais voir si c'est pas lasagne, ça sera certainement poulet basquaise. Ça sera certainement poulet basquaise vu que j'ai acheté des cuisses de poulet. Donc ensuite, tagine de bœuf pruneau amande. Ensuite, escalope crème curry riz et champignons. Ensuite, cake salé, donc lardon, olive, chèvre. Ensuite, ce sera une salade composée et des merguez. Pour la semaine 2, ça sera un tagine de poulet haricots verts, donc le poulet, un poulet rôti, haricots verts carottes. Ensuite, ça sera feuilleté épinards chèvre et une salade de tomates mozza. Ensuite, le mercredi d'après, ça sera crêpes parties. Donc, j'avais acheté de la chantilly aussi, hein, mais je ne voulais pas montrer parce que si j'avais vraiment tout montré, il y a des petits trucs que je n'ai pas trop montré. Donc, ensuite, gratin, chou-fleur, pommes de terre, dinde. Ensuite, le vendredi, ce sera des pâtes tunisiennes piquantes au poulet. Le samedi, ça sera risotto de parmesan avec des fruits de mer. Et le dimanche, ça sera barbecue, concombre, feta. Honnêtement, j'aurais pu faire une troisième semaine facile. Donc là, je vous dis, j'en ai eu pour 160 euros. Mais avec ce que j'ai, honnêtement, je peux facilement tenir 3 semaines. Puisque quand on cuisine beaucoup, ben voilà, ça coûte moins cher. Franchement, c'est bien plus économique. J'ai pas pris beaucoup de goûter, donc c'est pareil, je pense que là je vais faire des muffins bananes pépites de chocolat. Donc moi c'est mes préférés, je vous les ai déjà partagés, je pense il y a peut-être 4 mois. C'est vraiment mes muffins préférés. Et puis voilà, franchement je trouve que c'est raisonnable, on va dire 160 euros, même 200 euros pour 3 semaines, pour 5 personnes, en sachant que voilà, on a quand même acheté pas mal de fruits, pas mal de desserts, de fromages, de yaourts, etc. Après, bon voilà, il y a des promos, donc il faut vraiment profiter des promos pour économiser aussi. Mais quand on a une famille, on va dire nombreuse, enfin moi je ne me considère pas comme une famille nombreuse, mais bon, à partir de 3 enfants, on est considéré comme famille nombreuse. Donc bah, on n'a pas trop le choix, on essaye comme tout le monde de trouver des petites solutions, bah, voilà, pour avoir un meilleur pouvoir d'achat. Je reprends les menus parce que franchement j'avais vraiment lâché depuis le début du confinement. D'ailleurs je faisais pas vraiment de courses non plus, je faisais des petits drives de temps en temps que mon mari récupérait en rentrant du travail parce que je voulais pas sortir. Et du coup bah, là il faut vraiment que je reprenne pour reprendre aussi mon rééquilibrage alimentaire. Enfin, c'est pas qu'avec le ramadan etc. on mangeait assez gras, j'ai pas grossi, hein, j'ai perdu 3 kilos pendant le ramadan. Même si bizarrement je me sens ballonnée en fait. Donc du coup je vais reprendre petit à petit mon petit rééquilibrage alimentaire, manger sainement. C'est pour ça que j'ai pris pas mal de fruits, pas mal de légumes, de viande pour revenir à des plats basiques. Voilà, des plats viande, légumes, etc. Bon, vous savez que je mange pas trop trop de féculents. Je vous avais déjà bah, tout détaillé dans mes vidéos perte de poids. Si vous les avez pas vues, je vous invite à aller dans ma playlist et il y a 4 vidéos perte de poids assez précises. Donc voilà, je vais reprendre un rythme petit à petit. Après, moi, mes enfants, ils vont toujours pas à l'école. Enfin, ils n'iront pas à l'école, même si je pense que j'ai reçu un mail me disant que la semaine prochaine, ça allait rouvrir, mi-juin par là. Mais bon, franchement, pour 15 jours, j'ai envie de vous dire, ils sont en maternelle, en moyenne section, donc ça va pas changer grand-chose. Après, bon, c'est vrai que ça va leur faire plaisir de retrouver les enfants et tout. Mais bon, nous, ici, on est dans un petit pâté de maison où il y a leurs petits camarades d'école. Du coup, bah, il les voyait de temps en temps, vite fait, hein. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!